Le prince Harry a souvent défrayé la chronique lorsqu'il était plus jeune. Aujourd'hui plus sage, le jeune homme de 31 ans s'engage dans de nombreuses causes. En Afrique du Sud, il a visité un centre pour adolescents et a révélé qu'il n'aimait pas du tout l'école et qu'il rêvait d'être un bad boy quand il était jeune. Alors qu'il était turbulent et souvent épinglé par la presse anglaise pour ses phrases qu'il y a quelques années, aujourd'hui, le prince Harry se rachète une conduite. Le jeune homme de 31 ans met sa notoriété au service des causes qui lui tiennent à cœur, les Invictus Games par exemple, comme sa mère, la princesse Diana, le faisait avant lui. Le prince Harry est actuellement en pleine tournée caritative en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette visite, il s'est rendu dans un centre pour adolescents de Cape Town, le centre Terry Youth qui prend en charge des anciens membres de gangs. Le Télégraphe a raconté comment s'était déroulé cet après-midi avec les adolescents. Tout d'abord, avec son humour légendaire, il a tenu à se présenter, « Je m'appelle Prince Harry, petit-fils de la reine d'Angleterre et fils de la princesse Diana. Je suis venu d'Angleterre pour vous rencontrer. Je suis très intéressé par le fait d'entendre toutes vos histoires. » Afin de briser la glace et d'engager la conversation avec ces jeunes, il s'est livré, « Je n'aimais pas du tout l'école. J'aurais adoré venir dans un endroit comme ici. Quand j'étais à l'école, je voulais être un bad boy. » Il a ensuite mis en avant les atouts du centre comme la ferme, les ateliers de menuiserie ou encore le fait que les enseignants sont des anciens membres de gangs repentis. Plus tard, le frère du prince William a échangé avec les élèves sur leurs histoires et il a semblé ravi de visiter un lieu qui leur donne une véritable chance de les réhabiliter. Toujours taquin, il n'a pas manqué de lancer un pic à son grand frère pour donner une leçon aux adolescents, qui suivent souvent leurs aînés. « Si vous avez un grand frère qui n'est pas dans les gangs, si est-il déjà un gros point positif ?» Les grands frères sont supposés être les plus cools. Je suis un petit frère, mais je suis beaucoup plus cool que mon grand frère.